Les obsèques de Michel Corde, l'interprète de Roland Marcy dans Plus belle la vie, ont eu lieu ce mercredi 17 mai 2023, sans les acteurs de la série de France 3. Selon l'avis de décès publié sur le site de nos confrères du Midi Libre, les obsèques de Michel Corde, l'interprète de Roland Marcy dans Plus belle la vie, ont eu lieu le mercredi 17 mai 2023, à 10h30, au complexe funéraire de Gramont, dans la plus stricte intimité familiale. La famille remercie toutes les personnes qui penseront à lui, ajoute cet avis. L'acteur de 77 ans avait été retrouvé chez lui, dans sa maison de Grabelle, dans l'Hérault, mort par arme à feu. Selon nos confrères du Parisien, Michel Corde aurait laissé une lettre, ce qui laisse penser à un suicide. Une enquête de gendarmerie a été ouverte afin de le confirmer. Au lendemain de la découverte de son corps, le samedi 6 mai au matin, le parquet de Montpellier confirmait auprès de l'AFP que la piste du suicide était privilégiée. Mort de Michel Corde, l'hommage du maire de Gabrel à l'acteur jusqu'à octobre 2021, date à laquelle il est parti s'installer à Grabelle, Michel Corde a vécu des jours heureux et actifs dans la commune où il était venu en spectateur d'une fresque historique théâtrale et cinématographique présentée sur Jaurès, le 1er mai 2015 a rappelé le maire de Grabelle Serge Péché au Midi Libre, il y a quelques jours. Si Plus belle la vie a bien rempli les 18 dernières années de sa vie, les 35 précédentes ont été encore plus riches d'un parcours professionnel et personnel pour une action culturelle militante, populaire et engagée. Sa fierté était le Festival du Minervois, organisé par le département dans les années 1980 avec en point d'orgue les 10 000 spectateurs venus à Minerve pour la grande presque historique Minerve 1210. Au revoir Papa Corde, a écrit Laurent Kérouzoré au lendemain des obsèques de Michel Corde. Laurent Kérouzoré, son fils de fiction dans Plus belle la vie, lui a aussi rendu hommage sur son compte Instagram suivi par 143 000 abonnés. Nos plus grandes richesses sont nos souvenirs. Alors Michel m'a laissé une fortune. Ma mémoire est pleine. Je vais passer le reste de ma vie à les dépenser ces souvenirs. Il aura fait de moi un homme riche. Au revoir Papa Corde, a écrit l'interprète de Thomas Marcy. À lire aussi une semaine après la mort de Michel Corde, Laetitia Millot sort enfin du silence et lui rend un hommage touchant et original.